De bons chaussons aux pommes, c'est simple et plutôt rapide. On va commencer par éplucher et vider une pomme que l'on va couper en brunoise, puis réserver les morceaux dans de l'eau citronnée pour ne pas qu'ils s'oxydent. On prend une pâte feuilletée, on vient couper des ronds à l'aide d'un bol, puis on retire l'excédent de pâte. Ne la jetez pas, je vous montre juste après une petite idée de quoi en faire. On verse de la compote avec un peu de brunoise dans chaque cercle, recette de compote maison d'ailleurs qui est disponible sur ma chaîne pour les intéressés. On met un peu d'eau sur les bords, ça nous servira de colle, on ferme le chausson puis on vient bien sceller avec la pointe d'un couteau ou d'une fourchette. On badigeonne un jaune d'œuf sur toute la surface pour bien faire dorer, mais ça reste facultatif si le visuel ne vous est pas important. On décore les chaussons à l'aide d'un couteau, puis on fait un trou à l'arrière du chausson avec une baguette chinoise ou un couteau. Ça va permettre de laisser échapper l'humidité lors de la cuisson pour des chaussons bien croustillants. On n'oublie pas notre excédent de pâte, personnellement je vais simplement faire un mélange cannelle et sucre que je saupoudre sur la pâte puis j'en fais dérouler. Ça rendra des petites bouchées sucrées super sympas. Direction le four et après refroidissement, il n'y a plus qu'à en profiter. Régalez-vous bien et bon appétit!